Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Mist of Avalon. First Clue, c'est le 10e si je dis pas de bêtises. Donc notre aventure sur l'éditeur de niveau de Tomb Raider, faites partie TAC. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, vous cliquez sur le lien en description de cette vidéo, vous aurez accès à la playlist. Et il y a peut-être moyen qu'on finisse l'aventure. Je me rappelle plus. En fait, il nous reste à finir là, celui qu'on avait commencé la dernière fois là. Donc on a en gros deux épreuves à terminer. Bon, on commence évidemment par passer les haches. Et après ça, je crois qu'il nous reste un seul niveau, plus le retour. Peut-être que ça fera deux épisodes, je sais pas, ça dépend. On verra à quelle vitesse on avance en fait. Et pour ça, bah, il faut commencer tout de suite par franchir ces haches. Et j'ai envie d'aller voir s'il n'y a pas des petits secrets qui se cachent par là, hein. En fait, c'est assez tranquille à éviter. La collision est relativement fine. Enfin, j'arrive quand même à me faire défoncer, hein. Je vais évidemment recharger la partie, mais j'aimerais juste regarder s'il n'y a pas de secret par-ci, par-là. Et ça n'a pas l'air d'être le cas, donc on va recharger, on va les passer un peu plus proprement. Ok, nous avons les pics maintenant. Très bien, pourquoi pas. Avec quelque chose là-haut. Ne crois pas que je ne t'ai pas vu. Merde, c'est le retour, putain. Ce qui m'avait intrigué à la fin de l'épisode précédent. Je pensais que c'était une rolling ball qui tomberait de là. En fait, c'est un retour. Bon. On va peut-être juste passer les pics tranquillement. Activer ce deuxième bouton. Il nous en faut trois si je dis pas de bêtises. Voilà, on en a déjà activé deux du coup. Il ne manque plus que le dernier. Et on va essayer de pas se rater. Il n'est pas évident à passer. Voilà. Aïe. J'ai pris un peu cher. Mais c'est bon. Oulah. Ah bah oui. J'ai juste à me lâcher là. Voilà. Impec. Ok, très bien. Bon, on va aller dans le bâtiment central. Je pense que le bloc, on va le récupérer par ici. Ah, c'est ça, ce machin-là. Ok, là, il y a un jeu d'échelle. Il n'y a rien de spécial ici. Passer à côté. Oh non, pas toi. Allez, je t'ai défoncé. Bon. Ouais, ok, ça c'est la sortie. Qu'est-ce qu'il y a à faire par là? Oh non, sérieux? Bon, il devrait être facile en vérité. Ah! Parce que je me cogne au cristaux, je crois. Je crois, hein. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Ouais. Non! J'avais réussi. En fait, je peux faire le tour. Je viens de me rendre compte qu'on pouvait faire le tour, tout simplement. Mais je vais persister à passer par là. Parce que je veux casser le jeu.
Voilà. Donc c'était 500 fois plus simple de faire le tour, hein. Évidemment. Putain, je suis vraiment débile. Ok. Bon, on va rentrer par la voie sûre. Tout ça pour des munitions en plus. C'est assez maigre comme récompense. Collision de mort qui m'a complètement flingué mon élan. Je pense qu'ici ça devrait être assez haut. Ouais. Je sais pas trop où je vais là par contre. Est-ce que... Ouais, je pense qu'il y a des échelles tout le long. Ok, je pensais mal. Du coup, on va faire un saut à l'aveugle. Genre, comme ceci. Oh putain, c'était ça. Ok. Bon. Là, le saut devrait être assez simple. Hop là. Très bien. On est passé. Ça, c'est relativement gentil. Nous avons plusieurs choix. Là, c'est le retour, je pense. Et du coup, on doit avoir le bouton. Bah oui, c'est celui qu'on voyait depuis loin, je crois. Non, il n'est pas là. Ah non, je dis une bêtise. J'aurais bien eu envie d'escalader ça, mais ça n'a pas l'air escaladable, tout compte fait. Du coup, on va aller dans l'autre sens. Ouais, par ici. Mais encore. Ah bah, il est... Oh là 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 là. Débile quoi. Oh non, encore un flip-flap là. Il va me tirer dessus en plus. J'ai plus beaucoup de vie, faut que je fasse attention. Ok, bah je l'ai défoncé. Hein. Easy. Et la descente devrait s'effectuer par ici, tranquillement. Ok. On va tirer celui-là d'un cran. Et on a juste à le pousser quasiment tout droit. Je suis inquiet par le fait que je n'ai trouvé que peu de secrets. Je suis même très inquiet. Bon, on va pouvoir activer le mécanisme. Juste à pousser ça au centre. Je sais plus ce que ça fait d'ailleurs. Ça devrait me permettre d'accéder à la clé. Je ne sais pas où elle est la clé. Alors voilà. Ok, très simplement. Sauf qu'il y a un esprit, putain. Pas besoin de ça, j'ai plus d'HP. Il va me traverser au moins une fois, je pense, là-dessus. Ah bah, il s'est explosé je sais pas où.
très bien. Du coup, aucun souci. Ah bah oui, l'auréole des anges. Après les cornes du diable. Angel Halo. Et... attention. Dernier piège un peu sneaky. Oh, ça serait triste que j'ai pas tous les secrets, honnêtement. Pour une aventure comme Mist of Avalon. Alors que la première fois que je l'ai joué, je les avais tous eu sans problème. Et que dans toutes les aventures que j'ai fait jusqu'à présent, je les ai toujours tous trouvé, les secrets. Mais là, 8 sur 12, c'est peu, hein. Ah. C'était juste au-dessus. Ça a pas l'air trop compliqué, hein. Bon. Très bien. Et le retour. Ok. Et le retour, c'était par là, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Ok. Gauche. Je sais plus où c'est, oui, si c'est sur le côté là, sur la droite, faut aller au centre du bâtiment et nous y voici. Et ça va être stylé là, je pense. On va mettre les cornes du diable sur le crâne de démon. Voilà. Ah ouais, plutôt stylé. Et on va mettre le halo sur le crâne d'ange. Voilà. Magnifique. Oh. Très bien, niveau suivant, X marks the spot. Je pensais que c'était un téléporteur. Ok, c'est très bizarre. Ah, that looks interesting. Mais c'est la fin du niveau, ça. Ah non, il y a plein de choses à faire en CO. C'est juste que c'est la dernière salle. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on veut récupérer. La carte d'Avalon. On a eu des notes apparemment. No. Ouais, that looks like a new map. I have to find a way to get it. Ouais, c'est ça. C'est une vieille carte. Il y a l'indice qu'elle recherche dessus. Il faut qu'on trouve un moyen de la choper. Gauche, droite, milieu. On va commencer par la gauche. Allons-y. On va faire ça dans l'ordre. Ok, bah on va toujours vers la gauche, hein. Ah, il en faut 5. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Je crois que j'en ai que 4. Oh, est-ce que j'en ai raté une? Ah, mais il y en a peut-être une dans ce niveau qui permettrait d'en trouver du coup un secret de plus. Je peux monter à 10 secrets. Ouais. Je sais pas trop là. Alors, si j'en ai raté une, c'est dommage. Ça me ferait rater deux secrets. Bon. On va aller par là, du coup. Nous avons une espèce d'énorme pilon. Pour concasser je ne sais trop quoi. Est-ce que le levier descend le pilon? Oui.
Intéressant. On continue toujours vers la gauche, hein. Ça, c'est pas très bon signe, hein. Ok. Le niveau a l'air quand même plus long que dans mes souvenirs. Pourquoi il y a une espèce d'éclairage violet qui me suit? Est-ce que ça serait pas depuis que j'ai pris le téléporteur? Enfin, le téléporteur, l'espèce de portail. Je crois que c'est ça. Oh. Là, je suis extrêmement déçu. Ah, that looks interesting. Bon, l'avantage, c'est que c'est pas très long. Très bien, j'aurais dû monter jusqu'au sommet directement. Il y a un item à ramasser là-bas. Pull rope, corde, corde. Ouais. Là c'est trop loin, il y a trois cases et je peux pas m'accrocher. Le retour est faisable en revanche, ok. Bon, c'est assez simple, du coup. Mais c'est ma lampe qui fait ça. C'est un peu short quand même. C'est pas ouf. Ça va pas être évident, hein. Ok, c'est passé. Parfait. Ok, on va bien monter, on va bien prendre le temps de sauvegarder. J'aimerais juste regarder si j'ai pas raté quelque chose par là. Non, c'est plutôt quelque chose, non. Parfait, réussi du premier coup. Et on a récupéré une espèce de mâchoire. Une espèce de mâchoire. Mandibule. Ok. Hop, comment descendre rapidement une échelle? Je crains le pire, putain. J'en étais sûr. C'était sûr. Ok, on est revenu au centre, très bien. Du coup, je vais explorer ça d'abord. C'est l'air d'être un ascenseur. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc sous l'ascenseur? Pas contre un petit secret là, hein. Je serais pas contre une petite croix. Hein. Non, une croix, une croix, une croix. Ah oui, oui, si, je me souviens. Ah non, merde. Putain, je pensais que ça allait descendre dans une caverne où j'aurais récupéré une croix, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est un retour en fait. Oh là là, je suis déçu. Enfin, j'étais persuadé que c'était bon. Merde. J'ai tellement l'impression d'avoir raté des secrets. Bon, on va attendre l'ascenseur sagement. Ou alors, non,
On va faire le reste d'abord. Il y a une autre salle à explorer par là. Un crâne. Je sais pas trop comment je récupère ça. Ah, j'ai pas le droit d'utiliser le flingue. Ok. Ouais, vous auriez pu me prévenir, quoi. Bah. Ça, ça monte... Oh, il y a une plateforme et tout. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? D'ailleurs, j'aurais dû... Mais, s'il te plaît. J'aurais dû essayer la mandibule dans le... Dans le marteau pilon. Ça m'aurait donné peut-être de la poudre d'os. Ça aurait peut-être servi à quelque chose. Ouais, mais il y a une trappe d'or. C'est chiant. Pas de levier de l'autre côté. Là, on revient au centre, ok. Du coup, on va explorer ça. Hein. Allez, c'est parti. Je vérifie s'il n'y a pas de secret. Hein. Ça a l'air d'être ok. Ah. Intéressant. Ah, mais ça c'est tellement l'item qu'il faut que je... Humérus. Je voulais utiliser un espèce d'os comme ça pour faire un pied de biche, moi, dans un de mes niveaux. Bon, Humérus plus mandibule. Oh non, t'abuses, Lightbox. C'est passé, c'était juste, mais c'est passé. Bon, je vais essayer d'utiliser ça dans le marteau pilon. Et... c'est par là, oui, c'est par là. Non, plutôt par ici. Quand même. Ah, ça, je les ai pas combinés. Non. Si. Si. Non. Si. Je te dis que si. Non. Quoi? Il te fait chier, putain. Mais non, mais ça, c'est la sortie. C'est pas par là que ça rentre. Bon, c'est pas de la poudre d'eau, ça, apparemment. Il faut. On va monter à l'étage. Via l'ascenseur qui était ici. Et qui nous attend. On va rester calme. Attendez. Allez! Oh non, mais non, je suis trop con! Putain, j'oublie à chaque fois! Je voulais faire de la lumière, le mauvais réflexe, faire de la lumière avec ses flingues. Alors que je fais de la lumière moi-même. Là, si c'est pas un secret... Ça, c'est le retour, ça. Pourquoi il y aurait besoin d'un retour? Oh, mais non. Oh, elle est là, elle est là.
Oh, elle est juste là. Juste là. Comment on joue? Comment on joue cette merde? C'est pas possible, j'en ai raté les secrets. Jusqu'à 8 sur 12. Là, entre celui-là et celui que les 5 croix vont me permettre d'avoir, ça fera que 10 sur 12. Est-ce qu'on n'aurait pas raté un levier? Je dirais pas, hein. Bon, bah, les amis, c'est fermé pour l'instant, hein. Putain, évidemment, il faut que l'ascenseur soit au plus bas au moment où je fais ça. Bon, on est sur la piste de 2 secrets, mais il en manque encore 2. Là, on est au-dessus de la salle principale, ouais. Bon, là, je pense que c'est peut-être l'endroit où il faudra mettre la poutre d'os. Ou peut-être ici, hein. Ou peut-être là, j'en sais rien, en fait. Je comprends rien. Bon. Bah écoutez, je crois que je suis bloqué, hein. On a tout exploré et qu'on n'a rien trouvé. Donc l'endroit où on a raté quelque chose, forcément. C'est avec l'épreuve, avec le crâne là au milieu des 4 pics. J'ai pas essayé d'interagir avec. Je vais le faire. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah. Quoi? Mais je peux pas lui tirer dessus, sinon je meurs. Oh, il a piqué la carte. Skeleton taking my prize. That won't do at all. Ok. J'avoue que c'est chelou. Oh non! Putain, mais c'est pas là. C'est pas le pire truc qui pouvait m'arriver. Sérieusement. Bon, du coup, on aura besoin d'un dernier épisode pour terminer ça. Et peut-être que j'en profiterai pour vous dire où sont les secrets que j'ai ratés. J'irai chercher sur internet, du coup. Quitte à... S'il y a assez de temps à la fin du prochain épisode, quitte à recharger les parties pour vous montrer spécifiquement les endroits. Oh, attendez, mais il y en a encore en tous les sens, là. Bon, ça a l'air sacrément compliqué. On a 2 chemins qui s'offrent à nous. Mais du coup, on va s'arrêter ici parce qu'on a fait une demi-heure d'épisode. Donc du coup voilà, fin de l'épisode 10, j'espère que ce niveau vous plaît, que l'aventure continue de vous plaire. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Salut à tous!